Préparé, on va aller dans ce bosquet. On va clopper avant de partir. Voilà, on va la petite clopper avant de déclencher. Soit Mirabelle est dans ce bosquet. Soit on va nous aider, je sais pas. Il y a un truc qui se trame. Les dents. Là, j'ai les deux dents qui. Là, on peut montrer les dents, là. Ouais, deux dents qui rognent. On peut commencer à montrer les dents. Normalement, moi, je te dis, il y a un truc qui va pas du tout, là, tu vois. Et. Moi, on était tranquille et on était beaucoup trop tranquille, je pense, tu vois. Moi, je te dis. Tu me dis. Mirabelle, elle a disparu, mais pour une bonne. Je pense que c'est une bonne raison, moi je trouve pas que ce soit forcément une bonne raison, pour donner que ça commence. Tu sais que c'était la meilleure Mirabelle de tout la country. Eh ouais. Et je pense qu'il y a des petites personnes qui se sont amusées. Ouais. De toute façon, déjà, ne serait-ce qu'avant-hier, vois-tu, j'étais positionné exactement pareil. Et là, en face, dans les espèces de buis qui embellissent le jardin de la country, j'ai vu des choses bouger dedans. Je me suis dit, c'est peut-être une sorte de petit chevreau ou quelque chose qui aurait tendance, peut-être rien, qui pourrait avoir tendance à faire bouger délicatement les buts. Mais il y a ça, et étrangement, le surlendemain, on cherche une Mirabelle. Il y a un problème avec Mirabelle. Je ne sais pas ce qu'elle contient, mais il y a un secret. Bon, ne parlons pas trop, on va aller dans ce bosquet. Ouais, parce que des choses qui froissent, il ne faut pas que ça lui. Voilà. Allez, on y va. Mirabelle, c'est où, Mirabelle? On sait que t'es là. Où es-tu, ma petite Mira? Où tu caches? Mirabelle! Tiens. Ouais. Mirabelle! Bon, mais c'est bon. Eh, tu en passes d'où fumer, là? Ça va pas marcher dans de la merde. Dans une petite bouche. Mais merde, j'entends ces cloches. T'as du caractère. Non? Ouais. Moi, je propose qu'on se mette ici. Et là? De toute façon, vu le temps, je pense qu'on va devoir faire couchette ici. Voilà, la nuit tombe. À mon avis, il va falloir faire attention et être sur nos gardes. Ouais, restez à l'affût. On ne sait pas quel animal faut rôder. On sait jamais par quoi est-ce qu'on peut se faire manger. Quel humain. Allons, faisons couchette. Ça va l'air d'être douillé ici. Ça a de la bonne mousse.
Fais voir. Voilà. Moi, je suis bien. Fais voir ça. Ouais, ça va être une bonne couchette. Ouais, non, je pense qu'on va être bien ici. On va être bien. Faut se mettre sur nos gardes, comme on a dit. Mais... ouais. Y'a aucun problème. Allez, le kid. Va falloir déconner. Je te dis qu'il y a quelque chose qui se trame et ça me plaît pas du tout. Ce bosquet est mystérieux, moi, je trouve. Pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on est épié. Je vais pas dormir sur mes deux oreilles. Moi non plus. Je te le dis. Y'en a une qui va être attente. Toujours à la fin. Bon, allez. Je te souhaite une good night. Et fais attention. Pas de problème, lui. Tu le sais bien qu'il n'y a pas de problème. Non, jamais. Espérons que demain, à l'aube, on retrouve Mirabel. Ça faisait belle lurette. Ah, ça. Depuis le temps, là, tout se passait trop bien. Je me disais bien qu'il allait bien se passer le couille à un moment. Mais je m'attendais pas à ce qu'on pique Mirabel. Tu l'as dit. Bon, allez. La nuit tombe, les yeux doivent être fermés. Il va arrêter avec sa cloche. C'est vrai que leur cloche commence un peu à me les morfondre. J'en ai un peu marre de ce cauchemar. Je fais des crises d'angoisse chaque nuit maintenant. Je me roule. Et lui, il dort bien. Il en a de la chance, lui. Oh. Commence pas, toi. Ça va. T'es pas ce que c'est de dormir contre un pain. C'est longtemps. Tiens. Bon, allez. Alors vraiment que je puisse me rendormir, moi. Sinon... on n'est pas fini. C'est un peu comme de l'algèbre. Bien au chaud. Doudou, doudou, dis-toi que t'es bien au chaud. Et que tu es bien dans ton mérite. Faut pas d'angoisser comme ça. Mirabel reviendra et tu le sais. Mirabel reviendra et tu le sais. Rien ne sait. Petit chapeau. Mirabel. Mon canasson me manque. Terrible. Tornade. Tornade. Non, c'est bon. On est calme. C'est de 250 mètres. Allez. On y va, on y va. Allez. Chut. Allez, allez, allez. Allez, allez. J'ai dit pas de bruit. Tais-toi. Elle est pas loin. Cours, enfant. Un obus. Ah. Vapeur toxique. Ça me fait mijoter ça. Attends.
Sur la ligne de front! Maintenant! Nicolas! Mijoter un petit liquide là, c'est genre ça. Faire mon petit test. Parce que cette histoire de Mirabel, c'est vrai que. Vu comme ça, j'imaginais pas la chose de la sorte. C'est vrai que. Ça peut. Tirer par le Satan. C'est ça qu'il fallait. L'autre fin, l'autre de Paris. S'est levé. Je continue quand même à angoisser, moi, tiens. Il se repose. Il fait beau temps. Bon. Mirabel doit pas être bien loin, je l'espère bien. On va la retrouver. Mais merde, oh non. C'est mon bouton. Il fallait bien que ça arrive. Denki! Denki! Mirabel? Non. Denki! J'ai cassé mon bouton. Et ça me plaît pas, ça. Et Mirabel? Mirabel, bonne bonne question. J'en ai rêvé toute la nuit, j'ai pas arrêté d'angoisser. Moi aussi. J'ai pas arrêté d'angoisser toute la nuit. Bon. Je me réveille, je pète mon bouton. Là, je peux te dire que ça commence à... Ouais. M'énerver. Bon. Voilà, on a bien dormi, on s'est bien reposé. On va prendre la mission. Il va falloir peut-être se bouger, là. Parce que je... Attends, je vais te le relire. Je sais pas pourquoi, mais... J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame. Moi aussi. Bah, ça me fait plaisir de pas être tout seul. T'inquiète. Tu vois. Allez. Ça, c'est... Ah, c'est bien cause, t'as pris cette rire, ton délire. Ah, ouais, là, c'est... Là, y'a que le meilleur, Ouais, y'a que le meilleur. Ça va, ça va, ça va. Qu'est-ce que c'est? Qui m'a mis ça, là? Qui m'a mis ça, là? Moi, je sais pas. Je l'appelle? Non, vas-y, appelle-le. L'appelle, vas-y. Il m'a dit. Ouais, c'est que du bon, ça. Là, on va se faire un match de con, mon frère. Je me suis fait toucher! L'électricité ici. Quoi? Il y a des cartes, des cartes. Là, t'es dit qu'il veut 40. Oh, il se fout de ma gueule. Là, il y a ça là. Je m'énerve ou pas? Bah, énerve-toi. Ouais, tu sais quoi, je m'énerve là, t'as vu? Donc là, tu vas te calmer là. Parce que tu sais que j'ai qui moi? Non, moi je te donne pas 40. Moi je donne plus que 40. Quand tu me donnes. Malade, 40, moi j'ai rien, moi 40. Tu crois qu'avec 40, j'ai retrouvé à 40 ou quoi là? File-moi. Attends, je pense mon prix. Moi, toi, tu me dis 40. Mais moi je te dis 80. Tu dis 80. Il est malade. Et tu commences à me chercher, j'étais à 90. Si tu te rapproches, parce que moi je ramène chez toi, ça doit te faire le feu, moi. Ton chien de merde, tu veux foutre le feu. Ça va. Vas-y, t'as. Je te passe le cousin, t'as intérêt à te calmer là. Qu'est-ce qu'il y a là? Regarde-moi cette mousse. D'un point de vue externe, elle est verte. D'un point de vue interne, elle est jaune. Comme moi. Et quand c'est jaune, comme ça, généralement, c'est qu'ils ont une maladie, la chimox. D'accord. Ouais. Renif,
Ouais, ça sent la maladie, ça. Ça, ça sent pas bon, ça. Ouais. Bon. On y retourne ? On y retourne. Allez. Mirabel ! Mirabel ! On a gagné cette guerre. On a gagné. Mes amis, au nom de Schwartz. Cette guerre. Ah. Panama, Panama. Pas besoin d'aide. Demandez, Panama. Dis-moi. Ouais. Est-ce que le boy est prêt à brûler? Évidemment. Parce que j'ai préparé la mixture. J'ai mis plein de toxines. Ça va être rameuse. Rameuse. Panama Jack est vraiment fier de ce qu'il a fait. Panama, Panama, Panama. Donc, ouais. Attends. Je me suis renversé de la toxine dessus. Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. Après, je te ferai une trace de cyanure. Ouais, j'ai fini la guerre. Ouais, super. Ouais. Donc, ce que j'aimerais là, c'est que tu me trouves des allumettes au soufre-bœuf. Ok. Tu vois, les allumettes avec le bon marron. Je crois que dans l'atelier derrière, il y en a. D'accord, ça va. Tu veux bien te donner la peine ? Ouais. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci. Reviens. Oui, vas-y. Prends le temps, vas-y. Est-ce que t'as des nouvelles d'ailleurs de ceux qu'on nomme, comment, l'ouest et l'est, là, les deux bordels là, qui se promènent là ? Tu sais, ça fait belle lurette que j'ai pas eu là. Ah ouais ? Parce que je sais que t'étais copain avec l'ouest. L'ouest, ouais, ça fait bien longtemps. Ah ouais ? Mais l'est, je connais pas, moi. Ah bon, boss ? Ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas dur. Tu sens pas ce petit renifleur là? Ah ouais, ça me parle. Juste, dis-moi, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que tu t'es levé cuissé cette nuit? Ah non, que je me souviens. Pourquoi? Je sais pas. Au moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai angoissé encore. Et je sais pas, j'ai pas eu l'impression de te voir et j'ai entendu des bruits de pas. Et j'ai vu une sorte de silhouette dans le bosquet. Alors, tiens, je me suis dit, tu vois, c'est normal. Sûrement le petit Dunky, quoi. Mais si c'est pas toi, qui ça peut être? C'est ce genre de détails, moi, qui me font un peu flancher, tu vois. Je comprends. Et après, on s'étonne que je fasse des crises d'angoisse, mais tu sais, à force d'en voir tous les jours. On va fouiller un peu ce bosquet, on va peut-être trouver un truc. Allons vers là. Ce que je peux dire? Partons vers là-bas. Doudou. Quoi? Viens, Belle, bonsoir. Je m'appelle le général Panama Jack et je viens de créer un dérivé de ce qu'on pourrait nommer l'essence. Sauf que par ici, j'ai mis beaucoup de toxines dépendantes à l'intérieur pour créer vraiment une substance unique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de brûler ce tas-là. Mon collègue et mon acolyte Schwartz, bien sûr, de guerre, va bien évidemment m'aider à faire ce qu'il se doit. Justement, ce que je voulais te dire, c'est que ça y est, on a le berger allemand là, Steve. Donc, on te le vend 100 balles. Tu te vends 100 balles, il est pucé tatoué et tout. J'ai un branlé, j'ai le chasse. Après, le berger allemand, comme je t'ai dit, c'est un chiot, tu vois. Donc, il a les poils longs et tout. Voilà. Il est assez petit. Bah, attends, vas-y, prends-le, je vais chercher berger allemand. Tiens, parle-lui du berger allemand. Ouais, le berger allemand. J'espère que ça va le faire. Ça va faire. Viens là. Pas de raison. Viens là. Vas-y, balance. Ouais.
Ramène-moi les allumettes. Bon, c'est un petit chiot, quoi. Il est tout petit, ouais, mais il est bien, il a la gnaque. Oui, il a la gnaque. Mais lui, même à son âge. Oh, dès lui, quand il va grandir, il sera encore comme ça. Ouais, je te jure, quand il va grandir, tu vois le chien de Bernie. Ouais, c'est aussi gros. C'est bien. À la bonne voile. Écoute, je te propose que t'ailles là-bas, hein, ça va être fouillé là-bas. Alors, si tu me proposes, on crie nos noms si on trouve quelque chose. Ah, mais ça m'a fumé là. Faut pas m'emmerder, tu penses, hein? Hey, s'il y a un problème, écris mon nom en anglais d'un cri, ok? Lève-toi, merci bien. Tu te m'appures, ça te dérange. Tu m'entends? Mens-toi, là. Alors, pour le moment de commencer, avec mes moustaques. Mes rebelles! Sans pardon. Une cabane. D'un qui? Qu'est-ce qu'il y a? Trouve une cabane. T'as trouvé une cabane? J'arrive. Vieillot. Tu penses que ça appartient à celui que t'as vu là? Que t'as aperçu dans les bancs? Tu sais, on peut supposer plein de choses. Pour être celui-là, ça pourrait être quelqu'un qui est mort, la gueule du bordel. Je pense aussi. Ça pourrait être un sauvage. Ça a été abandonné depuis belle lurette. Bah ben ça sent. Vu la gueule du Trafalgar, c'est l'époque. J'irai pas dormir là-dessous. Je vais encore dormir encore contre un bon vieux parc. Même s'ils ont du caractère et qu'ils me froissent. Ouais. Ouais. Ça, c'est ton truc. Continuons, on va analyser. Tu vois? Ouais. C'est bon. À moins, là on sait ce qui va devenir des voleurs de Mirabelle. Là. On vous a prévenu. Chouard. Voilà. Allez, bon. Retournons au Bercail. Il devrait pas tarder. Ça marche. Et je te l'ai dit que j'ai perdu un bouton. Oui, tu me l'as dit ce matin. Comment ça se fait d'ailleurs? Je sais pas, je me suis réveillé. Et puis j'ai senti un truc sec qui... clap. J'ai regardé mon bouton. Le dernier en plus. C'est pas comme s'il y en avait plein, tu vois. C'est le dernier. J'ai tous perdu au fil des années. Tu vois, bon, 1898, 1902, 1954, il y a eu une grande marche. Bravo. Et le petit dernier ce matin. 2020. 2020, ouais. Tu pars d'une époque 2020, j'ai pas perdu mes plumes. Je dirais les marques de cigarettes. Pardon? Je pensais avoir perdu mes petites ficelles. Et toi, il a l'air de tenir, ton caillou. Ah, pourtant, il en a vécu. Hein. Ah, ça, qu'il dit. Voilà. Vu que j'ai croisé ce mec dans la rue, il vient me voir et il me dit « Bon, petit gars, la guerre est finie, arrête tes délires, on a tous compris que t'étais short. » Qu'est-ce que j'ai fait, à ton avis? Je lui ai fait boire de l'engrais. J'ai pris une de tes recettes. Je me suis permis, j'ai concocté ça et j'ai mis un peu à ma sauce. Je lui ai fait boire l'engrais, plein de mousse. Il sortait plein de mousse, là, comme ça. J'ai rigolé devant lui. J'étais content. Ça me plaît. Est-ce que... Mais après, voilà, moi, je veux dire, le petit, je le connaissais pas. Oui, bien sûr. Et puis, ça me rappelle aussi cette fois la guerre. Oh, non, sympa, ouais. Ouais, j'adore. Est-ce que t'as un petit briquet, s'il te plaît? Ouais, bien évidemment, tiens.
Merci. Enfin, en peau de serpent. En peau de serpent. En peau de serpent. Il est vraiment au top. Ouais. J'ai jamais vu. Tu sais qu'il fait croire l'autre jour à un gars que c'était de la peau de dragon. Ah ouais. Il a cru. Trop délire, il a cru. Il a cru. Il a cru. Le mec s'est cru dans Harry Potter. Ouais, mais ouais, il s'est dit, ça y est, je vois des dragons, quoi. Ouais. Et après, tu vois, le truc dingue dans cette histoire, c'est que les gens ont peur de la guerre. Ouais. Ça, c'est une chose. Mais je me dis, est-ce qu'une bonne guerre ne ferait pas de bien à tous ces humains ? Complètement d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, oui. À un moment donné, on est tous quelque chose de quelqu'un. Voilà. Suis-moi ça. Ici, ouais. C'est du cyanure que j'ai fabriqué l'an passé. Très bien. D'accord. Je me suis mis au bio. Ouais, totalement. Attends, ouais. Rassure-moi, t'es quand même pas vegan. Non. Pas déconner non plus. On va quand même pas commencer à jouer avec les insultes. Je suis devenu bio parce que voilà quoi, tout ce qui est huile de palme, tout ça, moi tu vois, moi ça commence à me sidérer en fait. Je m'étonne. Et puis la maltraitance animale. On en parle pas. Hein. Je veux dire, oui. Bon, ok. Mais c'est de la fausse quoi. Ouais, c'est. Enfin. Tu vois, ouais. Bon, on va pas en parler. C'est de la vraie, mais je pense qu'il était d'accord en fait. Ouais, il était consentant. Il était consentant. Voilà, mais bref. Mais bon, les animaux, je les aime. Moi j'adore. Je suis contre. Et puis même, on les porte au final. Voilà, on les tue pas pour rien. Au final. Ok. Vietnam 3 maintenant. Oh putain, il est bon. Oh ça rafle. Je les ai tous fusillés. Il n'y avait plus personne. Et puis. Je veux dire, moi, j'ai pas peur de ces Allemands. Ce qui ferait bon aussi. Mon ami, j'ai fait une trouvaille. Qu'est-ce que t'as trouvé là ? Une épée de l'ancien temps. Une épée ? Eh ben, il doit être du Japon féodal, ça. Tu m'en diras, toi. J'ai connu cette épée. Il y a un truc au fond. Il y a une petite note de frais, je crois. Une note de frais ? Qu'est-ce que j'ai lui ouvert ? Bah non. Mirabel ! Ami, il y a un truc pour Mirabel. Une note. Nous avons trouvé le moyen de trouver Mirabel. Signé Panama Schwartz. Tu connais un Panama et un Schwartz? Panama Schwartz. Il me semble pas étonné. Panama Schwartz, c'est pas un seul nom. C'est deux personnes bien distinctes. Il y en a un, Panama. C'est un mec qui revient de je sais plus quel temps, du 20e siècle. Un ancien vétéran qui est un petit peu... Bon, je l'aime bien, mais on a quelques différents quand même. Et ce qui concerne l'autre, Schwartz, il m'a accompagné, fut un temps, lorsqu'on est arrivé ici. Et je le connais. Il est un petit peu hystérique, mais il est très choupi. Je pense qu'on peut. On peut se fier à eux. Je me demande bien ce qu'ils préparent actuellement, mais s'ils nous ont laissé cette note, ce n'est pas pour rien. Et je pense même qu'ils devaient savoir, à l'avance, je dis bien à l'avance, qu'on allait arriver ici et qu'on allait trouver cette connerie d'épée de ses points. Écoute, je vais garder cette note. On va prendre cette petite épée au cas où. Et on va partir. Allez. Mirabel! Consisting of three parallel and disassociated groups. A. Love of the strange and the fantastic. B. Love of the abstract truth. Chasser une petite vache et qu'on se fasse un petit barbecue. Très bien. À l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Je vois bien. Tout doucement. D'ailleurs. Tout doucement. Des grues. Il y a des grues? Ouais, partent vers le sud. Suivons-les. Elles indiquent toujours le bon chemin. Bien. Merci. Prends ton briquet de je sais pas quoi là. Ouais, je sais. C'est anachronique ça. T'as vu nos gueules là? Tu vois ce truc? Écoute, à 500 pour. Qu'est-ce que je pense moi? On pourrait pas fumer nos clopes. Qu'est-ce que je pense après? Je ne sais pas, j'ai mal. Très mal. Je comprends.
Mais tu sais, je souffre aussi, haut. Bon. Allons-y, suivons les grues. Avec ton épée, on va se faire une vache. Arrêtez de nous emmerder longtemps, là. Tiens, non. Ouais. Dans 3 semaines, ouais. Le mardi 22, il ouais. Y a JR, Jean Reno, ouais. Qui vient à la maison pour d'accord. Une projection du Grand Bleu à la house, quoi. Alors, tu vois, moi, c'est une proposition flamboyante. Parce qu'on l'a vu au cinéma il y a un an, en plus. Ouais, voilà. Donc, mais le seul truc, ouais. C'est que j'ai un petit brunch okay. Avec David Lynch. Okay. Ouais, parce qu'il a un projet cinématographique. Ouais, il est sympa, Lynch. Ouais. Et en fait, il veut que... Il veut que je tourne dedans. Ah ouais? Ouais. Là, premier rôle, tout ouais. Ça. Ouais, ouais. Mais c'est excellent! Ouais, ouais, après, voilà, tu vois, on va. En fait, on va tourner avec Brad. Tu penses que les bombes vont nous tomber dessus? Tu penses qu'on va se faire avoir, Choix? Tu penses que c'est fini pour nous? Je sais jamais. Tu penses que notre heure est arrivée? Non. Tu penses j'ai que pas c'est d'accord. Fini? On va se battre. T'as ouais. Vu qu'il y a toujours la super machette? Ouais. Regarde ça. Cette machette. On a petite machette. Complètement lost. Bah elle est pourtant, elle est là. Hein. Elle est là. Regarde ça là. Regarde pas toi là. Ça c'est des bourgeois de merde ça, ouais. Des bourgeois de Saras, ça. On va les voler. Pas de cendrier, hein. Ouais, mais c'est pas grave. Attends, attends, je trouve un truc là. Ouais. Hop. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Attends, regarde, attends, regarde. Qu'est-ce qu'il a dans la main là? Chaumiel. Il y a attends. Du miel. Il y a du miel dans le bateau, quoi. Attends, mais. Qu'est-ce que c'est? Mirabelle. Oh, Mirabelle. Mirabelle, quoi. Je t'as vu truc, ça, quoi? Il a sorti un truc de ton truc là, un petit palier. Attends, 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 tu vas voir, on va voir. Attends, 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 ça c'est pété de thunes, hein. Sans de mémoire, sans de mémoire, c'est pété de thunes ça. Ça on va les voler, on va vendre. Ah bah, t'inquiète, attends, attends, regarde, attends, regarde ce qu'il faut là. Il fait quoi, il fait quoi là? C'est Avril Rice. On en découvre tous les jours. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Complètement. Ah ouais, c'est vraiment sympa. Je me sens comme un petit nuage dans ce bateau. Vraiment, j'ai l'impression de naviguer vers. La semaine prochaine, il y a Mick Jagger qui vient à la maison. D'accord, d'accord. Je me suis dit. Bien enchanté. Je suis le colonel Palamadjan. Oui, je sais, j'étais en barfondrie. Oh, je l'ai connu. Oui, c'était un très gentil personnage. Oui, je travaille avec lui sur le projet du Tanker 6. Le Tanker 6. Pour ainsi dire, c'était vraiment un super tank. Il n'y en avait pas deux comme ce dernier. J'ai travaillé sur toute la mécanique, sur tout ce qui était... Comment je m'appelle? Oh! Ici! Viens! Viens là! Par ici là! Je vais te parler, moi! C'est du steak? Ouais! Viens là! Viens ici! C'est têtu et c'est tenace! Ouais! On fait pas la pierre comme ça! On va aller voir là-bas, tiens! Ouais, ça commence à. Ceux-là sont trop bien! Putain! Il y a des fois comme ça, tu sais, j'ai envie de. J'ai envie de mettre des claques, tu vois, des. J'ai envie de me frapper. Ouais, vraiment. Moi aussi, ça m'arrive. Mais bon, ça sert un peu à rien. Je ferai des œufs de caille à piquer des hannetons. Ouais, avec un peu de curry. Hein. Avec un peu de curry. Et écoute, si tu veux, je te ramènerai le curry bio que j'ai à la maison. Ah ouais, ouais, c'est vachement mieux. Ok. T'es, tout était naturel. Quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, totalement. Putain, ouais. Le mec. Mais écoute. Okay. Mon petit Richard. Hop là. Je te fais des bibis. Bibis. Ah, et puis. Yes. Voilà, tu feras une bise à Jean Reno. Mais il y a aucun souci, je ferai la bise à Jean. Ah, d'accord, la race. La babies! Le man, quoi! Le man! Ça
ça va là. Ça va là. Ça va les sourasses. Je suis déjà en plein dans la lance. Mais j'ai quel âge? J'ai quel âge, moi? J'ai des cuisses. J'ai des cuisses. Orlindo, elle est chassée. Arrête ça! En ligne de mire! C'est pas moi qui les enferme! D'accord! C'est pas moi! Je n'attaque que Colonel sur l'homme prochain! Arrêtez, Manel! Lâche-moi! Tous les ennemis sont partis au front. Décapités. Assassinés. Je les ai même mangés des fois. Schuld et moi, nous sommes partis au loin et puis à un moment donné, Schuld m'a dit, tu sais, si je meurs pendant cette guerre. Oh, t'en fous, t'es connerie! C'est à moi qui les ai tués! C'est bon, vas-y, viens, viens. C'est là-dedans. Là-dedans, c'est là-dedans qu'ils ont mis ça. Vas-y, tranquille, vas-y, vas-y. Passe, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais rappel, c'est du miel. Chou-miel. C'est du miel, là. Ils nous ont remarqué, en fait. C'est du miel. On est gossés. Les gossés. Vas-y, tu le prends quand même. Ah, c'est des riches, mais vas-y. Mais ils ont trois. Tu prends quand même, tu prends quand même. Vas-y, prends-le, prends-le, prends-le. Toi, l'eau de la source, jeune humain. Oui, chef. Je vais boire cette eau-là. Je vais me ravigorer la gorge. Non, ça marche pas, là. Mon colonel, mon colonel, mon colonel, on devrait se calmer. Hein? Là, on est allé trop loin avec cette trace. Je suis désolé, j'ai un peu forcé sur le cyanure. Non, mais c'est rien, je comprends, tu sais. Moi, dans mon cas, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Moi, j'ai plus les remontées, tu vois, de tout ce qui s'est passé pendant cette guerre. Notamment mon petit chou. Qui est parti bien trop vite et bien trop loin. You know, Rastafari is just a way to connect to nature, you know? L'histoire de Mirabel est plus que déplorable. Je ne sais pas pourquoi il cherche cette Mirabel. Bon. On y va. Ah, Lionel. Ah, plus signe que non.